Bonsoir, bonsoir, ici la Echo Family, voici Echo, qui vous annonce une grande nouvelle. Oh, breaking news, Echo, son serveur, quoi? Venez voir vite, n'oubliez pas de vous abonner, un petit follow, pouce bleu. Sortez du Québec, service, intégrité, justice. Un avant-goût du serveur. Bonsoir. Mes très chers amis, ici le commandant Brian Jones de la Sûreté du Québec. Je vous invite cordialement à venir dans la belle ville de Free Life pour tenter d'être recruté dans les forces de police ou tout autre métier qui vous tendrait. Je me présente encore une fois, Brian Jones, commandant. Ici, les forces vont se compléter avec intégrité, respect du citoyen dans la meilleure des mondes. Si le meilleur des mondes, c'est que le citoyen ne devienne pas criminel. Dans l'optique où il y aurait des criminels, nous serons amenés à arrêter ces citoyens et à les amener en justice devant les avocats et les juges. Donc vous pourrez effectivement rejoindre le corps de justice, c'est-à-dire autant qu'en tant que policier, EMS et autres corps de police qui aura en ville, dont la Sûreté du Québec. Je vous invite cordialement à rejoindre le Discord qui sera mis en lien de cette belle vidéo de promotion de la belle ville de Free Life. Je vous invite aussi cordialement à demander l'accès pour venir en ville en faisant votre petite douane. Et notez que la ville V2 où je suis présentement sera ouverte le 30 mars vers 5h30. Approximativement, on n'a toujours pas l'heure exacte parce qu'il pourrait y avoir des délais vu la production des uniformes en grande quantité pour tous les métiers. Ça pourrait prendre du temps, ça arrive par bateau. J'espère que vous trouvez votre compte dans notre belle ville de Free FRP. Présentement, on est dans la V1. Ne pas juger tout ce qui est à l'intérieur. C'est une ville qu'on ne peut plus travailler vraiment. Et on transfère sous la V2 prochainement. Pour suivre les aléas du commandant Brian, je vous invite à venir voir le Twitch de celui-ci qui est le twitch.tv/EchoFamily. C'est ma GoPro que vous allez voir prochainement dans cette belle division de police. On a un super poste de police actuellement. Comme vous voyez, il y aura des petits changements au sein des forces, des grades, des lieutenants, des commandants adjoints, des capitaines, excellemment. On a aussi les shérifs de disponibles du côté de la justice. Il y a aussi les EMS. Prochainement aussi, peut-être les pimpons, plein de nouvelles choses. Je veux pas vous spoiler, mais j'inviterai Monsieur le maire à venir prendre parole. Monsieur le maire, êtes-vous là? Monsieur le maire, deux fois. Ouais. Prenez parole, s'il vous plaît. On vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Vous êtes dans l'intercom du poste. On vous écoute. Donc, on vous souhaite la bienvenue, puis on espère vous voir sur la V2 au plus vite. On espère vous voir sur la V2 avec tous nos efforts qu'on a pris et le nombreux fonds placés. Donc, c'est ça. À la prochaine, la gang. Merci beaucoup. C'était Monsieur le maire de la ville de Freeze Life RP. Et le commandant des forces de police, Monsieur Brian Jones, qui vous salue. J'espère que vous allez venir en grand nombre. N'oubliez pas de cliquer sur le lien que vous trouverez dans notre vidéo ci-joint sur YouTube et sur les autres plateformes telles que TikTok et bien d'autres. N'oubliez pas d'aller à l'académie de police avant de venir, parce qu'on voudrait pas que vous soyez des pains ou des bras cassés dans la police. Ayez un minimum de respect pour vos grades, parce que vous allez le savoir. Et je soulignerai qu'on a présentement un recrutement payant pour les caméramans. Vétérans, c'est-à-dire les caméramans du genre Poitras, Cormier, etc. Ceux que je peux nommer également, Twitch Poppy et autres, si vous venez, on offre ça à voir avec Monsieur le maire seulement. Moi, je sais pas moi que le dernier mot là-dessus, discrétion à Monsieur le maire. Le contacter une fois arrivé sur le Discord serait une bonne idée justifiée pour lui dire que vous êtes streamer vétéran. On s'entend que streamer vétéran, ça veut dire d'avoir des gens sur sa bodycam au moins... 5000 en montant, même moi j'en ai pas assez pour avoir ça. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vais fermer le micro dès maintenant et on retourne à l'antenne de Twitch et de TV Nouvelles pour la suite des choses. Bonsoir, ici le commandant, je vous transfère à TV Nouvelles pour le prochain bulletin de nouvelles, météo média, etc. de la ville de Free la SRP. Allez-y. Bonjour, ici météo média, c'est pour vous annoncer que la V2 va sortir le 30 mars. Nous vous annonçons la bienvenue aux douanes chez Freeze Life. Merci, monsieur le météorologue, pouvez-vous me dire, c'est le commandant, Brian Jones, est-ce qu'il va avoir une méga tempête
pour activer les choses et détruire la belle ville de Freeze Life V1 pour amener la V2. Je pense que pas mal, oui, hein? Oui. Donc, la V1 va être détruite par un ouragan de quelque classe, monsieur le météorologue. Yes. Des gros vents comme dernièrement, de la semaine passée que nous avons eu, va refaire surface sur la V1 pour ensuite tout raser avec une grosse tornade. On va mettre ensuite la V2 en place pour tous les joueurs qui voudront rejoindre. Exactement. Je vous souhaite bien du plaisir dans notre ville. J'espère vous voir dans mes rangs de police ou autres. On se côtoiera ou on s'aimera pas ou on s'arrêtera. On ira en fédéral ensemble. On verra ça. Je vous le dis, les crottés vont en avoir et on va être pogné à les arrêter. Mais c'est pas notre but. On veut avoir du fun avec vous autres. Prioritairement, si vous vous mettez à gonner comme des pins et à vouloir faire des braquages, ben, vous aurez un dossier en ville puis on vous amènera à fédéral. Sur ce, c'était Brian Jones qui vous remercie. Petite pub après la pause. Bon, c'est bon. Enregistré de la Sûreté du Québec, Service Intégrité et Justice et de la ville de Freeze Life. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à follow le lien pour rentrer dans notre belle ville. Et prochainement, dans la V2, la V2, bienvenue sur Freeze Life. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de venir nous jaser ça en ville. Allez! Let's go! On s'en vient! Puis en plus, en prime, les premiers streamers qui vont arriver avec, ou YouTubeurs avec plus d'abonnés que moi, c'est-à-dire au moins 20 000 abonnés, vous aurez le droit d'être payé pour être en ville. Faites vite! Les places sont limitées! Bonsoir, bonsoir, c'était la Eco Family. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si t'aimes ça, n'oublie pas un petit pouce bleu. Un abonnement. Et viens nous voir en live sur Twitch Eco Family-off. Il y a eu une petite erreur, je vais vous mettre le bon lien dans la description. Monsieur Brian Jones, fin de service, 10:42. Bonne journée à vous.